Alors, qu'est-ce qu'on va me dire? Alors déjà, dans le passé, tu as pu rencontrer ça. En amour, mais pas que. Ça peut être en amitié, professionnel ou ce genre de choses. Voilà. D'ailleurs, ils ne sont plus dans ta vie. Alors, ne crois pas. Hein. Il y en a beaucoup qui disent, ah mais c'est moi qui me suis sorti des griffes d'un pervers affectif, sentimentalement. Faux. C'est eux. Ils te donnent comme si tu avais le choix, c'est-à-dire de les quitter. Ou alors, quand vraiment tu arrives, de toute façon, c'est qu'ils ont une nouvelle proie mieux que toi. C'est qu'ils ont fini avec toi. Mais en amitié, au travail, sur les réseaux sociaux, c'est la même histoire. Puis en général, ils vont mal parler de vous aux nouvelles personnes qui rentrent dans leur vie, qui bien entendu ne te connaissent pas. Tu vois? Donc par exemple, en amour, avec la nouvelle personne, ils vont dire que c'était toi le pervers ou la perverse, alors que c'est eux. Tu vois? D'ailleurs, en général, tu n'as aucun moyen de les joindre. Ils font le nécessaire. Si c'est sur les réseaux sociaux, ça va mal finir au niveau amical. Mais comme au niveau, par exemple, s'il n'y a pas d'amis en commun, ils vont dire que c'est toi qui leur a fait du mal et que c'est toi qui s'est servi d'eux. Si c'est des raisons professionnelles, peu importe, ça finit toujours mal avec eux. Et à chaque fois que vous vous connaissiez tous ou pas, ils diront que c'est toi. C'est jamais eux. Et ça recommence sans arrêt. C'est un cercle infernal. Et que ça soit en amour, sur les réseaux sociaux, des partenariats, de travail ou peu importe, c'est toujours les victimes. Et c'est jamais eux. Ah non, c'est jamais eux. Hein. C'est vraiment impressionnant. Et d'ailleurs, en général, si vous vous connaissez, que ça soit en amour, que ça soit sur les réseaux sociaux, des partenariats, dans le travail, ils feront tout pour que vous coupez les ponts avec eux. Comme ça, vous ne pouvez pas leur expliquer tout le mal qu'ils vous ont fait. Alors, en amour, en amitié sur les réseaux, au travail, des partenariats. Mais bien sûr, pour être sûr que tu ne diras pas les vérités. Horrible. Horrible. Et ils recommencent avec d'autres personnes. Ils ont toujours les mêmes problèmes. Et toi, par exemple, tu vas...